intitulé ma communication de cet après-midi « Le rôle de l'historien, s'interroger et vérifier ». C'est une chose qu'on apprend quand on fait des études d'histoire à l'université. En ces temps de remise en question de tout, pas toujours à bon escient, ne serait-il pas nécessaire de se demander quel doit être le rôle de l'historien ? On parle de révisionnisme, de négationnisme même. La loi Guesso a interdit d'en faire et il n'est pas dans mon intention d'enfreindre cette loi. De récentisme même. Alors, le récentisme, l'origine de ce dernier néologisme, que je ne connaissais pas il y a seulement quelques mois, est curieuse. Des chercheurs internationaux et non des moindres, selon leurs supporters russes ou allemands, pensent que la chronologie de l'histoire officielle n'est pas la bonne et que l'ère chrétienne ne serait plus courte que ce que l'on a retenu jusqu'à aujourd'hui. On ne serait pas en 2014, mais en 1714, voire moins. C'est vrai que ça fait sourire quand on entend parler ça. Pour les récentistes, donc ceux qui soutiennent la thèse du récentisme, des moines de la Renaissance, voulant donner une solide antériorité au christianisme, auraient ajouté 300 ans à l'histoire médiévale, ce qui ferait que le haut Moyen-Âge ne serait que pure invention. Sur quoi repose leur hypothèse ? Sur le fait que, lorsque le pape Grégoire XIII a réactualisé le calendrier julien, il n'a ajouté que 10 jours, alors qu'il aurait dû lui en ajouter 13. Alors l'explication, en 1582, le pape Grégoire constate qu'il y a un décalage régulier de la fête de Pâques qui progressivement se retrouve en été, et décide de faire recalculer par ses astronomes la durée de l'année, c'est-à-dire celle de la rotation de la Terre autour du Soleil, notion astrophysique qui, à cette époque de géocentrisme, n'est pas du tout d'actualité. Copernic avait suggéré l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait que la Terre tournait autour du Soleil, mais il n'a pas été écouté. Sur quelle base donc les pseudo-scientifiques du XVIe siècle ont-ils alors calculé le nombre de jours à ajouter ? Ils ont tout simplement déduit par l'observation que le décalage était de 8 jours par millénaire. On voyait régulièrement revenir les saisons et donc ce qu'on s'est dit, là il y a un décalage. La séparation entre le calendrier julien, c'est Jules César, 46 avant Jésus-Christ, et le nouveau calendrier dit aujourd'hui grégorien, 1582, était donc de 1628 ans, soit 16 siècles. Si la perte était de 8 jours par millénaire, logiquement entre moins 46 et 1582, il y avait une perte de 13 jours. Or, le pape n'en a ajouté que 10, ce qui laisse entendre qu'il considérait qu'il n'y avait que 13 siècles et non 16 entre moins 46 et 1582. Ça fait 3 siècles en gros. Voilà donc où se situe le problème, car nous fonctionnons aujourd'hui toujours selon la correction du calendrier grégorien, démontrant que 3 siècles de notre histoire seraient fictifs. Vous remarquerez que je mets tout ça au conditionnel. Moi, je ne savais pas ce que c'était il y a quelques mois encore. Pourquoi penser que ces siècles inventés se situent au haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de l'an 500, Clovis, jusqu'à 800? Eh bien, parce que les témoignages écrits et archéologiques de cette époque sont très rares et controversés. Alors, explication, notamment sur le plan archéologique. Comment comprendre en effet que l'on trouve en France tant de preuves de la présence romaine, des vestiges d'arènes, d'anciennes voies romaines, etc., voire de la présence celtique maintenant, de plus en plus, les oppidums, les sépultures, les témoignages des Romains concernant les Gaulois, etc. Et qu'on ne trouve quasiment rien archéologiquement sur les 3 siècles suivants, c'est-à-dire de 500 à 800, puisque la chute de l'Empire romain, c'est vers l'année 500. Même le palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, c'est-à-dire le 9e siècle, ne daterait pas de l'époque. Il y a comme un défaut, aurait dit Fernand Reynaud. J'en reste là pour cette interrogation et ne m'inscris pas comme défenseur du récentisme, dont la théorie me paraît quand même un peu trouble. Comment imaginer en effet que la communauté scientifique internationale aurait été à ce point dupe et naïve ? Voilà. S'interroger. Ok ? Reste à vérifier maintenant les thèses et les arguments des récentistes. Je le ferai.
Je passe à un autre sujet, c'est l'extension de l'Allemagne nazie et des causes de la guerre de 1939. Donc, période beaucoup plus récente qui est beaucoup plus facile à étudier. Donc, on n'est pas là dans le récentisme, pas même dans le révisionnisme, mais bien dans l'histoire officielle. Je discutais tout dernièrement avec un ami passionné d'histoire des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Notez tout de suite que cette personne est originaire de l'Est de la France, d'Alsace, et visiblement très attachée à son appartenance française. En dînant ensemble, nous en venions donc à parler d'Hitler, principal acteur d'une guerre mondiale désastreuse humainement, 64 millions de morts civiles et militaires, et économiquement un désastre. Je lui posais donc cette question. Penses-tu qu'Hitler avait vraiment des visées impérialistes en 1939, souhaitant totalement inféoder l'Europe au joug allemand. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Es-tu négationniste, m'a-t-il demandé? On a interrompu là la conversation, mais je lui ai réécrit le lendemain par email pour m'expliquer. Et voilà ce que je lui ai adressé comme email. Je n'ai pas dit hier soir que je donnais raison à Hitler. L'instauration d'un régime policier à l'intérieur de l'Allemagne fortement militarisé pour montrer sa puissance à l'extérieur, créant de nombreux camps de concentration, ne peut pas être ma tasse de thé, puisque je suis antimilitariste. Mais il faut bien reconnaître que ce régime a convenu aux Allemands, dont la grande majorité ont suivi cet autoritarisme jusque dans leur structure familiale et sociétale. Quant aux mesures anti-juives que le régime nazi a prises, elles sont totalement inadmissibles. Et on ne peut qu'être étonné que les Américains aient attendu 4 ans avant de débarquer en Normandie pour nous libérer de la dictature nazie. Voilà. Cependant, je ne pense pas qu'Hitler voulait conquérir l'Europe comme on l'a souvent dit au début de la guerre 39-45. Mais simplement, il voulait faire revenir sous la tutelle allemande des populations qui étaient déjà très germanisées depuis longtemps. Alors, quelle population? Ben, l'Autriche, bien sûr, puisqu'il y était né, et son allié de longue date, la Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie, les Sudètes, en Tchécoslovaquie, qui étaient allemands. On remarquera qu'il n'annexe pas la Tchéquie, zone tampon entre les Slaves et les Germains, et qu'il laisse l'indépendance aux Slovaques. Quant à la Rhénanie, elle était restée allemande au traité de Versailles, chose tout à fait normale, puisque peuplée de Germains. Et c'est en toute illégalité que la France et la Belgique ont occupé la Ruhr de 1923 à 1925, soi-disant pour se payer eux-mêmes les énormes indemnités de dédommagement prévues par le traité de Versailles que l'Allemagne n'avait absolument pas les moyens de verser. En 1920, les Allemands vivaient dans une grande misère. Alors, concernant la Pologne, ce pays n'avait qu'un tout petit accès à la mer par le corridor de Danzig, qui coupait la Prusse orientale, population germanique donc, du reste de l'Allemagne. Il paraît tout à fait normal qu'Hitler demande au gouvernement polonais la possibilité de construire une autoroute et une voie ferrée reliant Danzig à Berlin. Les Polonais étaient prêts d'accepter, ça se passait en 1939, quand les Américains leur ont conseillé de ne pas céder, avec l'appui des Anglais, qui s'engageait à les défendre, les Polonais, en cas d'agression allemande. Hitler a attendu plus de 3 mois que les gouvernants polonais changent d'avis, leur proposant même une gestion commune de cette liaison traversant un court territoire du nord de la Pologne, environ 150 km. Les dirigeants polonais non seulement n'ont pas voulu, mais ont répondu par la nationalisation de 2 importantes firmes industrielles allemandes en Pologne. Ce fut là la principale cause de l'attaque d'Hitler contre la Pologne, début de la Seconde Guerre mondiale. La suite, tu la connais comme moi, je m'adresse à mon copain là. C'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne sous prétexte d'un accord passé avec les Polonais en 1922 et surtout sans aucun assentiment officiel du Parlement français, alors que la loi aurait obligé le gouvernement à décider après un vote de l'Assemblée. Ni discussion ni vote, donc, ce que la Constitution française rendait pourtant obligatoire. C'est là un autre problème dont on reparlera. Mais je voulais simplement dire qu'Hitler, tout mégalomane, raciste et abruti qu'il pouvait être,
ne fut pas un envahisseur, à l'image de Napoléon en Europe, ou enfin, au début du XIXe siècle, ou des Anglais en Inde, hein, plus tard, et ailleurs, et plus près de nous, des gouvernants de la Troisième République française aux quatre coins de la planète. Hein. Faut pas oublier qu'on a conquis le quart de l'humanité hein, à cette époque-là, à la fin du XIXe siècle. Si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre contre les Alliés, ce qui était peu probable, sans doute aurait-elle eu des intentions hégémoniques sur l'Europe. Mais on n'écrit pas l'histoire avec des suppositions. Voilà. Alors n'est-il pas du devoir de l'historien hein, de dire quelles furent les causes premières de la guerre de 1939, après avoir vérifié, bien sûr, la véracité de l'affirmation. À moins que le seul rôle de l'historien serait de rentrer dans le giron des chercheurs bien-pensants, ne faisant pas de vagues, et surtout ne contrariant pas certaines thèses officielles, même erronées. Voilà. Je vous rappelle le début de ma communication. Le rôle de l'historien, s'interroger et vérifier, c'est ce que je fais comme tout historien. À une prochaine fois.